Bonjour à tous, c'est Chris UK. Aujourd'hui, on se retrouve pour Wireless Smooth Moves. Alors, c'est une petite vidéo relax, détente, donc on se prend pas la tête, on joue. Ça va être. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu en fait. Donc là, je me suis recréé une session, mais j'ai pas encore démarré. Je me suis dit, on va faire ça en vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque mini-jeu, en fait, on le fera dans une vidéo. Donc c'est parti. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu vraiment funny. Et vu le fait que ça fait assez longtemps que j'y ai pas joué, donc je pense que ça va être marrant à se le refaire. Alors je vais vous laisser quand même l'introduction, parce qu'il y a une petite histoire, même si les histoires de WarioWare c'est un peu n'importe quoi. Alors il y a très longtemps. Donc là on voit la Wiimote quoi. Donc genre la Wiimote c'est l'objet ancestral du jeu je crois. Ah on dirait des Bomberman. On dirait des petits Bomberman. Ok, donc moi-même je me souviens plus l'histoire, donc je redécouvre un peu. Donc là il y a un temple où est conservée la Wiimote, ok. Objet ancien très précieux apparemment bien des années plus tard. Et là on va voir Wario. Donc Wario le méchant. Alors Diamantville de nos jours. Donc c'est toujours des petites séquences clips comme ça là. Et des petites animations qui ont vraiment un style particulier. Wahaha, quelle belle journée! C'est tout? Je crois qu'il y a. Attendez. Ok, c'est tout. Ouh! Tac, tac, c'est la fiesta. Ding! Ah ouais. Ah ouais, alors ça me rappelle Super Mario 64, ça. Ding, ding, ding. Allez, c'est parti. Allez, jouer. Allez, solo, Chrisu. Alors, pose ta main dans la dragon, bâton de style. Ouais, ils appellent ça un bâton de style. Donc, Wiimote, puis sur A et B, dragon. Ok, il n'y a que A et B, et le mouvement de la Wiimote qui est utilisé. Alors, le B à bas du bâton de style, utilise toujours le dragon, joue dans un espace ouvert, ne sois pas timide. Ça roule. Alors, passe le curseur sur un niveau, appuie sur A pour jouer, plus ou moins pour zoomer, B pour accélérer. C'est parti, allez, premier niveau. Donc on va se faire ça dans les petites vidéos, chaque niveau, et on essaiera d'aller le... De pas perdre surtout. Allez, c'est parti. Donc il y a toujours une petite histoire en fait, dans chaque niveau. Alors le Mysterium bâton au style. Donc, petite histoire, maison de Wario. Allez, c'est parti. Ding, 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 ding. Alors Wario qui bouffe. Donc il fait son gros lard, apparemment. Ok, alors ça ressemble pas du tout à des Bomberman. C'est des vieilles... Je sais même pas ce que c'est quoi. On dirait une tétine. Reviens ici! Donc apparemment il vole la bouffe et le ramène dans le temple et lui il vole la Wiimote. C'est quoi ça? Wow. Ça me fait tellement rire, tellement c'est ridicule. Ah c'est bon, c'est parti je crois. Ça va commencer bientôt non? Allez, donc c'est des petites séquences de mini-jeux qui durent genre 5 secondes. Il faut comprendre le principe. Bâton de style. À l'horizontale. Attends, mais la voix du mec, elle m'a toujours autant étonné, quoi. J'aime pas sa voix, elle est trop cette bizarre. Position illustre le sport. On dirait un mec de film porno, quoi. Une voix super, super suave et tout. C'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Alors, éloigne. Alors, voilà, nickel. Donc là, fallait éloigner avec le putois, ok. Vas-y, go. Fais le point. Ah oui, il faut zoomer. Attends, ok. Nickel. Alors, on va essayer de comprendre vite, vite. Rase. Ah ouais, non, ça m'a toujours fait marrer ça. Ah yes. Nickel. Avec le gros nez de Wario et tout. Fais sauter. Alors là, on va faire le ouf. Nickel. On va faire les ouf. Attrape, attrape. Attrape. Ok. Attendez. Non, non, non. Ok, c'est pas grave. Attends, j'ai pas réussi à pointer là. Plus vite, plus vite. Allez, là, ça va accélérer le rythme. Faire tomber, faire tomber, faire tomber, faire tomber, faire tomber. J'arrive pas. Allez, c'est bon. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est... ah ouais, ça c'est funny ça. Oh non. Oh là là. Il y a que WarioWare pour proposer ça, quoi. Alors, tire. Ok. Ok, ok. Des fois, il y a des petits clins d'œil rétro aux anciens jeux Mario. On est déjà au boss. Et si on est au boss? Alors, repousse, repousse, repousse. Ah ouais, je me rappelle ça. C'est n'importe quoi. Ah ouais, il y a un monstre. Ah! Vas-y, dégage! Voilà, nickel. Fallait secouer comme un ouf. Alors, boss. Ok, c'est bon, on a réussi. Alors, on va.
En fait, c'est là, fallait arriver jusqu'au boss, mais on peut réitérer le mini-jeu et en fait, on peut continuer jusqu'à que on meure, on n'ait plus de points. Donc c'est ce qu'on va faire à la suite du mini-jeu là. Voilà, donc là, on a débloqué un nouveau mini-jeu normalement. Alors le trésor est à moi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rejouer à ce même mini-jeu. En essayant d'aller le plus loin possible, donc petit challenge. Donc là il y a des vieux trucs qui apparaissent, on s'en fout. Ok, ça on s'en fout. Vous verrez qu'un panneau d'information est apparu au sud de la ville, zoom sur la carte pour voir ça de plus près. C'est quoi le panneau d'information? Tu peux faire un zoom. Ah c'est ça? C'est moi Wario, j'ai une info très importante, alors écoutez-moi bien. J'ai mis un panneau d'information dans la ville pour afficher les messages des habitants, vous avez intérêt à les utiliser. Ok, on s'en fout, c'est parti pour le premier mini-jeu. On fait jouer. Et là, normalement, on peut continuer jusqu'à temps qu'on a deux points. Donc ça va être encore plus funny. Alors, le mystérieux bâton de style. Ça, on a déjà vu. Allez, on y va. Allez, rase. En fait, ça va devenir de plus en plus compliqué. Parce que là, ça, le challenge va vite monter en niveau. Putain, mais là, j'arrive jamais, quoi. Ça me saoule. Ah si, j'ai réussi. Non. À la fin, j'avais réussi. Alors, éloigne. Vas-y, dégage. Voilà, nickel. Donc là, le challenge, c'est d'arriver le plus loin possible. Et on se quittera dès que j'aurai perdu. Fais sauter. Allez, vas-y. Vas-y. Vas-y, mec. Putain, mais c'est de la bouse. Putain, j'ai secoué comme un malade. Ça marche pas bien, putain. Fais le point, fais le point, fais le point, fais le point. Nickel. Okidoki. Alors. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Alors là, ça va s'accélérer normalement. Donc là, on voit les... En fait, on voit le... Ah, putain, nickel. Alors en fait les oignons là, c'est mes vies, donc si je perds deux fois je suis dans la merde, et on gagne à chaque fois une vie quand on bat le boss, donc faut arriver au boss pour pouvoir se rattraper. Allez, tire, ça c'est facile. Hi hi hi. Allez. Allez, là il y a le boss et là on peut récupérer une vie si on y arrive. Donc là je pense que ça va être facile comme tout à l'heure. Et là il y a le monstre qui va venir. Vas-y, ramène ta gueule toi. Allez, dégage. Allez, dégage. Oh yes. Ah. Allez, ramène-moi une petite vie, s'il te plaît, maintenant. Allez, one up, c'est bon. Nickel. Et là, on continue jusqu'à temps qu'on perde toutes nos vies. Alors, prends la pause. Ah ouais, ça, c'est une petite pause, histoire de faire une... de reprendre son souffle. Mais ça, c'est vraiment what the fuck, quoi. Tu comprends pas ce que tu vois. Alors, plus dur. Voilà, c'est bon, le niveau augmente. Ten, 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 ten. Alors éloignez, éloigne, dégagez les enfants, dégage, dégage. Nickel. Ah, il y avait un verre en fait. Alors niveau 11, évite, évite, ça veut dire quoi évite? Ok. Ah merde. Putain. Je savais pas qu'il y avait des ennemis de qui venaient du haut. Embroche, 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 embroche. Yes. Ok, il fallait en embrocher deux. Alors 13, rase, rase. Ah putain, il y a un vieux poil de merde là. C'était dégueulasse par contre. Allez, attrape. Ah ouais, là en fait faut attraper avec le jaune. Mais moi je croyais que c'était avec le vieux bâton qu'il fallait attraper. Ok, j'ai compris. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ding, ding. Alors faire tourner, vas-y. Vas-y, fais tourner, connard. Mais vas-y. Oh putain. Ah. Ah oh, putain. Voilà, là il y a deux tirs à faire parce que c'est devenu plus dur. Alors niveau 17. Fais tomber, fais tomber, fais tomber, fais tomber, connard. Yes. Allez, vas-y. Allez, boss, on peut récupérer une vie, donc ça va être cool. Par contre, il va être un peu plus dur, normalement. Vas-y, repousse. Allez, repousse les Wario. Et repousse les Wario. Là, normalement, il y a le vieux boss de Wario. Le Mecha Wario, on va l'appeler. Oh, putain, mais dégage. Et il se protège, ce con. Mais vas-y, dégage. Mais casse-toi. Mais il est con, ce con. Ah, voilà, d'accord. Fallait attendre. Putain. Allez, casse-toi. Voilà, nickel, ok. Faut attendre qu'il lève la main. Du coup, on peut continuer, les mecs. Allez, c'est parti. Allez, donne-moi la vie, s'il te plaît. Hi, hi. Prends la pause. Il nous montre à chaque fois une pause de yoga, en fait. Le secret. Putain, mais ça veut rien dire, ça. Genre, il écoute la Wiimote. Allez, vas-y, on a deux vies, c'est plus dur. On continue. Alors éloignez, éloignez, dégagez, 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 dégagez. Yes. Putain, des vieux nick-pat là.
Allez, fais sauter. Putain, putain de barbec là. Vas-y, putain. Mais ça veut pas. Évitez, 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 évitez. Ah non, ça c'est trop dur, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Mais c'est con. Alors, est-ce que c'est fini? Ouais, game over. Ok, bah écoutez, on se retrouvera pour le prochain niveau de WarioWare. Donc je vous dis à la prochaine les gens, et portez-vous bien. Salutez.